Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle ouverture de la Teambox Dorée 2020. Elle brille énormément et c'est normal, ce n'est pas seulement dû au soleil, c'est parce que dedans, j'espère qu'il y a Dragoon. Parce que oui, c'est la dernière boîte que je vais acheter, j'en ai pas acheté beaucoup, parce que s'il fallait que j'en achète tout le temps jusqu'à avoir les cartes que je veux, c'est la banque qui serait pas contente. Du coup, je m'en suis racheté une parce que on en a ouvert une chacun, Marine et moi, lors de la dernière vidéo. Du coup, il m'en fallait une. Il me fallait un Dragoon. Donc on va tenter de l'avoir. Si on l'a pas, c'est pas grave. Mais dans ces cas-là, je vais à Apollo. C'est l'une ou l'autre. Voilà, je veux une des deux. On va espérer les avoir. Et on l'ouvre. Par contre, ce sera pas en facecam. Flemme. Alors, la voici. La voilà, la toute belle. Bon, on l'ouvre. La technique du stylo. Bon, alors on sait déjà que ce qu'il y a à peu près là-dedans. On sait qu'il y a 3 boosters. Maintenant, parmi les 3, lesquels auront des choses intéressantes. Allez, on commence tout de suite avec Madrak. Héritage du monde, étoile de mer Maincès, Salamandre grande Perrault, Esprit Tenny, Dino Lutteur, Dame de la Néocloche de Feu, numéro X6 Infini Utopique de Ténèbres, Madame Vert Artisan Sorcière, c'est Marine qui va être contente, Chimietta Artisan Sorcière, Rivaux Destiné, ah ça c'est cool par contre pour le deck Yeux Bleus, alors ça faisait partie des cartes qu'ils avaient ajoutées pour l'extension Yeux Bleus. Oh, LP Dragard, ok. Link 1, pas mal. Un monstre dragon de maximum niveau 4, ok. Kapsuki, bon ça, Esprit Tenny, Nata. Grucrab, Chenille Infini, Dragon Galaxy Spiral, Draperie, Artisan Sorcière, Décharge de Pioche, Tunnelier, Chenille Infini. Bon. Ok, donc ça nous fait quelques cartes. Sympa. Alors. Prominèse Dragard, Vice Dauphin XYZ, Monteur Hyper Psychique, Étoile de Mer Maincès Again, Salamandre Renardo, Fusion Farstar, Bye Bye les dégâts, Danse avec les bêtes, Médusa Guetteur de l'œil maléfique, Assaut de la Sorcière, Edel Artisan Sorcière, Cœur de Cristal Maincès, et après Vespasius, Draperie. Encore de main à 16, point de son égal, je t'ai dit, mais non, mais. Elle viendra pas, elle sortira pas, je vous jure, je suis dégoûté. Putain, un Dragoon ou une Apollo, sérieux, il y en a, ils arrivent à chaque display ouvert à avoir des trucs de fou. Moi, j'ai jamais de chance. Allez, s'il vous plaît, un peu de chance là. Succession Subterreur, Cataliste, Cataclysme Dragard, Valkyrie Attelage, Esprit Ténim. Mapura, Fusion Dino Tyran, Éveil Noyau Dragard, Création Artisan Sorcière, Shinobi Necro, ah, Verdant Win, la Charmeuse de Vent, ok, why not, et Rotation sur place, non, sérieux quoi. Dragon Sauvage Charge Voile, ok, ça par contre c'est assez sympa, mais je l'avais déjà vu avant, donc je suis un peu deck. Dommage, et coopération, voilà, hein. Perfection sans défaut du tennis, Ascendant Feu. Esprit Tenny Vishuda, récepteur du cycle du dragon, Esprit Tenny Ashuda. Et non, bah, je suis dégoûté, non mais vraiment, ça s'entend. Je suis deck de chez deck, quoi. Je veux dire, ok, j'ai eu des cartes d'une rareté assez sympa, que ce soit Artisan Sorcière, Charge Warrel, bon, rotation sur place, voilà. Verdant Win, c'est sympa parce que il y a le deck Charmeuse qui va sortir bientôt. L'Artisan Sorcière, moi je m'en fous de l'Artisan Sorcière. Assaut de la Sorcière, d'ailleurs, c'est du quoi. Ce traverseur annule l'invocation normale ou spéciale dans plusieurs monstres sur l'activation d'une carte d'un effet, détruisez toutes les cartes contrées pour traverser dans sa main. Ah ouais, c'est ultra pété en fait. C'est pas mal, pardon. Mais c'est pas du tout ce que je recherchais, quoi. Bon, après, on a eu Rivaux Destiné, qui est une carte assez sympa. Mais je suis deck, quoi. Bravo, il n'est pas sorti. Je suis dégoûté. Bah, je l'ai pas eu. C'est le jeu quand on joue. J'ai eu quelques cartes sympas, mais j'ai pas eu ce que je recherchais vraiment. Du coup, je suis assez dégoûté. Mais c'est comme ça. De toute façon, il y a dans quelques jours... Pas dans quelques jours, en fait. Demain, si tout se passe bien, il y a une ouverture. Et après-demain, il y a encore une autre ouverture.
vous inquiétez pas, on peut encore se rattraper. Jusque là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Yu-Gi-Oh! Et tout un tas d'autres choses que vous pourrez trouver sur la chaîne, hein. Jetez un coup d'œil, il y a plein de vidéos sympas, du gaming, du manga, bref. Allez découvrir ça. Et surtout, pensez au pouce bleu si vous avez aimé, et Pixie va nous dire, hop, c'est le côté. Qu'est-ce qu'on fait, Pixie? La cloche? Ouais, c'est vrai, je pense jamais à la cloche, pensez à la cloche. Comme ça, vous êtes au courant des sorties. Allez, bisous à tous et à bientôt.